Vas-y. Oui, je voulais passer un peu cette information parce que c'est important pour tous les albinos. Alors, vous savez, généralement, les albinos n'ont pas de prise en charge au niveau de l'État camerounais. Rien que la réquisition que nous voulons avoir pour les cas de cancer qui déciment les albinos, nous n'arrivons pas au niveau de l'État. Et en ce qui concerne le travail, les albinos n'ont pas d'accès facile au travail. Parce qu'une fois que vous déposez le dossier et qu'on constate que vous êtes albinos, l'accès au travail n'est pas facile. Si vous n'aviez pas une reconnaissance, bon, côté mariage, c'est encore plus. Les hommes viennent espionner les femmes albinos et le mariage est aussi très difficile. Alors, je ne sais pas si l'État camerounais peut vraiment nous accorder une réquisition qui peut nous permettre à limiter le taux de mortalité des cancers. Parce que les albinos traînent devant les hôpitaux publics avec leur cas de cancer. Et beaucoup n'ont pas de moyens pour se faire traiter. Et c'est comme ça que tous les jours, aujourd'hui tu comprends 5 cas de décès de cancer. Il n'y a pas autre maladie qui tue les albinos que le cancer. Et vous savez, généralement, les albinos sont des personnes qui ne doivent pas s'exposer au soleil. Ce sont des albinos qui peuvent faire leur petit métier à l'ombre pour éviter le cancer. Alors, si l'État camerounais pouvait aussi intégrer les albinos dans certains services, ça pouvait arranger, ça pouvait limiter les degrés de nos problèmes. Et par ailleurs, les handicapés qui peuvent encore vendre au soleil, dans leurs voitures roulettes, ont beaucoup de privilèges, alors que les albinos n'en ont pas. Les albinos n'ont pas de privilèges au niveau de l'État. Donc, nous voulons vraiment que les choses changent. Nous voulons que l'État camerounais pense aux albinos, parce que les albinos sont des personnes marginalisées, discriminées, on a les préjugés, la différence, et nous ne savons pas pourquoi tout cela. Vraiment, il faut que l'État camerounais pense à nous. Surtout du côté de santé, c'est ça qui est notre préoccupation. Parce que nous sommes plus que les handicapés. Par ailleurs, l'État camerounais peut encore nous accorder la carte d'invalidité qu'on donne aussi aux handicapés. C'est un peu ce que moi, en tant que présidente des femmes albinos, réclame à l'État. Merci.